pas qu'on fasse ça. Bouh, vous avez eu peur. En plus, on hurle après, après avoir chuchoté. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Et bienvenue dans la vidéo du vendredi. Ah, on va pas trop toucher à table parce que sinon ils vont faire... Ouh. Tu sais, ils vont bouger. On va avoir un peu... Bonjour et bienvenue dans la vidéo du vendredi. On espère que vous allez bien, on espère que cette attente ne fut pas trop longue et fut passionnante. Vous avez eu peur parce que vous êtes tombé nez à nez avec ce monstre. Qu'est-ce donc que ça? C'est la dernière nouveauté de Loki. Oui. Ça sort aujourd'hui. Alors, ça sort attendez. Aujourd'hui dans toutes les boutiques. C'est un jeu de... Oui, tu peux commencer à te lever. Kader Dian, je ne sais pas dire son nom de famille. Et de Marie Curda. Désolée si j'ai corrigé votre famille. Du coup, c'est un à jeu l'illustration, de reconnaissance ouais. À partir de plus de 6 ans. Tout à fait. Et je ne vous ai pas présenté. C'est Laura. Laura qui travaille pour la communication chez Loki. Et chez Loki, bah, c'est un peu chez Hello. Et du coup, on vous montre cette nouvelle boîte. Donc, Monster Box. Jeu de reconnaissance. Le but est de deviner avec ses mains les différentes formes. Donc pour ça, on a différentes cartes avec des difficultés variables. Donc par exemple, ici, il faut essayer de retrouver l'étoile, la petite mamie et la sucette dans cet ordre-là. Et donc tous les joueurs doivent en même temps mettre la main dans le monstre, dans la bouche. Quatre mains. Il a quatre bouches. Ah, j'ai senti ta main. C'est trop rigolo. Et ben là, là c'est perdu là. Là c'est perdu. Donc ouais, faut vraiment pas se tromper. Qu'est-ce qui se passe si je sors le mauvais objet? Et ben il faut le remettre dans la boîte, recommencer. Et quand et du coup on perd un peu de temps quoi. Ouais, voilà c'est ça. Et quand le sablier est terminé, on a la possibilité de prendre ce petit médicament parce que le petit monstre, bah forcément il a des maux de ventre. Bah oui. En même temps, le mec il mange des mamies et voilà, tout quoi. C'est ça. Du coup, on lui donne le petit médicament, on retourne le sablier et on recommence. Ça nous permet de gagner un peu de temps. Et au bout de la troisième carte où on a bien réussi, la partie est terminée, on a gagné. Ça s'appelle Monster Box. C'est non, nouveau. Box Monster. Merde. J'arrête pas de dire Monster Box parce que quoi? Parce qu'il y a un jeu chez Yellow, enfin une boîte qui va sortir qui s'appelle Monster Box. Mais ça, c'est Box Monster. Box Monster de chez Loki. Et alors attention, parce que ça introduit une nouvelle gamme chez Loki. Oui, explore le monde. Du coup, c'est tous les jeux. Loki est parti un peu en vacances cet été, donc il ramène de futurs jeux super cool un peu partout dans le monde. Et du coup, celle-ci, c'est la première boîte, le premier jeu de cette gamme. Et il y en a des prochains qui sortent fin du mois. Des prochains pour les petits, parce que ça, c'est du 6+. Ça, c'est du 6+, et on a trois autres jeux qui introduisent la gamme plus 2 à partir de 2 ans fin du mois. Vous en saurez plus, genre, la semaine prochaine? Oui, à partir de la semaine prochaine. Mm-hmm. Donc, toutes les infos sur les futurs jeux pour les tout-petits, la semaine prochaine, sur la page Loki. C'est ça. Et donc, Box Monster, oui. Décidément, j'y arriverai jamais. Voilà, un petit jeu adorable que les enfants adorent. Et avec du matos qui est chouette, quoi. Regardez ces bouches. Hop là. Sauf qu'avec une main, j'ai du mal à ressortir. Et donc voilà. Merci, merci Laura de nous avoir présenté cette nouveauté. C'était gentil. On te retrouvera une prochaine fois. Oui, maintenant je vais retourner travailler. Au revoir. Oh tiens, on tombe sur Simon. Ça va Lorraine? Ça va et toi? Bah oui, très bien. Bah oui, on tombe sur moi parce que tu m'as appelé. Oui. Tu m'as appelé pour que je sois dans le live Twitch. Exactement, dans cette vidéo du vendredi, parce que est lancé dès demain. Dès demain, pendant 2 semaines, comme chaque année pour ceux qui nous suivent, l'opération Seconde Chance. Tout à fait. Et alors là, les gens vont dire, qu'est-ce je donc sais déjà, je lis déjà les commentaires, mais qu'est-ce que c'est la Seconde Chance? Qu'est-ce que c'est? Et ben, chaque année, on sort tout plein de jeux, des très bons jeux. Et malheureusement, il y en a qui n'arrivent pas tout à fait à rencontrer leur public parce que c'est dur de se faire une place au milieu de toutes ces sorties. Et donc, chaque année, on fait cette opération seconde chance. C'est-à-dire que vous, là, derrière votre écran,
on vous donne une seconde chance de découvrir tous ces jeux. Cette sélection. Cette sélection de 6 jeux. Et comme on est sympa, on le fait à moitié prix. Donc vous allez en boutique. Ouais, et vous retrouvez, c'est moins 50%. Vous retrouvez tous ces jeux à moins de 50%. Donc on a du jeu pour les gros gamers, Monolith Arena. Oui, il y a deux. On a du jeu pour les familles avec Fairy Tail, du jeu en solo avec Roll and Write, Imperial Settlers. Et voilà, après des jeux entre jeu potes, Lost Cities. Ah non, c'est pas à deux Lost Cities, je confonds avec non, Lost Cities. Non, c'est deux à quatre. Et alors, Lost Cities, les rivaux, c'est comme le jeu à deux. Oui, mais à tu quatre. Tu peux jouer jusqu'à quatre. Ouais. Et en plus, il y a des enchères dedans. Oui, on avait fait une partie à sa sortie. Et donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est que des jeux, bah, c'est vraiment des très bons jeux qui malheureusement sont un petit peu passés à côté à leur sortie, etc. C'est ça. C'est pour ça que voilà, nous, on vous les repropose à moitié prix. Donc c'est franchement genre Légende du Cerisier à 10 euros. Par exemple. Arena à peine plus de 20 euros. Ouais, c'est l'occasion. C'est des jeux neufs, quoi. On n'est pas sur... On n'est pas sur des jeux d'occasion ou quoi. Donc, c'est sûr. Voilà, justement, les fêtes, ça peut être le bon plan. Exactement. Pour repartir avec un petit jeu pas cher et un très bon jeu surtout. Grave. On nous demande si la promo est exclusivement en France ou dispo aussi en Belgique. Et Patrice a fait une petite apparition. Oui. Alors, on a pas mal de boutiques partenaires qui vont proposer cette offre-là et il y aura des boutiques belges qui, dès demain, proposeront l'offre. Donc normalement, très rapidement, on va mettre la liste de toutes les boutiques. Oui, ça devrait arriver sur notre site bientôt. Ouais, ça va arriver parce qu'on finalise, comme c'est... Elles ont jusqu'à demain encore les boutiques pour s'inscrire, donc on attend le tout dernier moment pour publier la liste, mais ça arrive. Mais oui, il y a quelques boutiques en Belgique qui vont proposer ça. Donc pas de soucis. Trop bien. Pour nos amis belges. Grave. Donc voilà, et ça va durer 2 semaines, donc jusqu'au week-end du Black Friday, en fait. Jusqu'au 28 novembre. Donc voilà. À pas louper, surtout si c'est des jeux, voilà, qu'il y a des jeux qui vous tentaient à l'époque, mais que c'est l'occasion. Que vous avez loupé, bah écoutez, saisissez votre seconde chance, les amis. Exactement. Merci Simon pour nous avoir expliqué la seconde chance, l'offre seconde chance. Merci à toi, Loan. Mais je t'en prie. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, ça va être une fin de vidéo. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin de la vidéo du vendredi ? On dit... À vendredi prochain, Lorraine. À vendredi prochain, tout à fait. Ciao, tous !